Hey, salut à tous, c'est Dina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un type de vidéo que je voulais faire depuis le début de la chaîne. Il s'agit de présenter des contenus personnalisés selon un thème. Donc cette fois-ci, c'est un thème bikini, maillot de bain. J'avais prévu de faire ça pour les vacances, seulement mes vacances ont été un petit peu chaotiques. J'ai eu des vacances de dernière minute. Du coup, tout est un peu reporté, donc j'espère que ça vous plaît comme concept. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, j'adore télécharger des CC, faire des recherches, les tester et tout. C'est un peu mon amusement, d'ailleurs certains peuvent en témoigner. Et j'essaie de trouver des maillots de bain qui correspondaient à mes Sims, à ce que je pouvais faire avec eux. Donc le premier, je le trouvais un peu sexy, je le trouvais bien sur des Sims un peu comme Bella Goth et tout. Celui-ci, c'est avec des dorures, j'adore, ça va très bien avec des pommettes, j'adore. En fait, je crois que c'est un de mes préférés de cette espèce de top. Donc vous pouvez le télécharger soit en full body, soit en maillot de bain. Et vous pouvez le télécharger en doré. J'essaie de varier un peu les styles vu que j'ai des Sims différents. Donc un peu plus sportif, un peu plus sexy, un peu plus simple, un peu plus girly. Il y a un peu tous les types. J'ai pas mis les hommes, ni les enfants, ni les bambins parce que je préfère faire des vidéos thématisées et ne pas m'éparpiller. Donc ici c'est vraiment pour les corps féminins. Il ne faut pas télécharger les fichiers PSD, soit vous téléchargez full body, soit vous téléchargez évidemment maillot de bain, soit les deux, en fait selon vos préférences. Ici on a un truc super coloré, je le trouvais assez fun. J'avais hésité à le télécharger parce que parfois j'ai peur en fait de certains sites, j'ai une appréhension alors qu'en fait non. J'aime pas trop de TCR parce qu'il y a trop de pubs et parfois des trucs pas très jolis, mais il y a des choses sympas et ce maillot de bain en fait partie, enfin ce bikini même. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions à télécharger du contenu personnalisé. Donc certains c'est parce qu'en fait ils ont peur d'avoir des problèmes, que ça fonctionne pas, c'est trop compliqué à gérer, qu'ils comprennent pas l'anglais. Puis il y en a c'est juste qu'ils savent pas, enfin leur PC peuvent pas en fait, ou ils ont pas envie tout simplement. Mais pour ceux qui ont peur, enfin qui savent pas trop lire l'anglais et tout ça, je trouvais sympa de tester pour les autres. Et les autres en fait comme ça ils peuvent se dire ah ouais ça c'est safe, elle l'a téléchargé, son jeu fonctionne, il bug pas, il est pas trop moche, enfin il est pas trop moche, il est joli. J'adore dénigrer les choses. Il est joli, ça rend plutôt bien. Et voilà, c'est simple à. C'est simple quand on a un peu primaché le travail. Donc celui-là j'adorais parce qu'il y avait un pareo, c'est un des premiers que j'avais pensé à vous présenter parce que je l'adore, c'est un style que je cherchais. Et ici c'est un petit coup de cœur aussi, c'est de Renora Sims que j'aime beaucoup. Et il y a la version échancrée ou shorty. Et surtout les coloris un peu avec la peau, la queue de sirène. Et comme elle c'est une sirène, j'ai trouvé ça, ça lui va super bien. Donc le Lani Swimsuit, vraiment c'est un top. C'est vraiment trop beau. Et en plus il fonctionne en jeu de base. C'est juste magnifique. Voilà, c'est mon deuxième coup de cœur je crois. Tout simplement. J'ai plein d'autres vidéos de ce genre que j'ai comme idée. Certaines depuis longtemps. Donc n'hésitez pas à faire un retour comme ça vraiment si les gens qui sont intéressés par les contenus personnalisés. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de chaînes qui font ça ou alors je les connais pas. Donc si vous connaissez des chaînes qui présentent en français évidemment ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le mettre en bas en commentaire, en barre d'infos. N'importe quoi, des bêtises. Donc n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos parce que c'est toujours agréable de découvrir d'autres personnes. Je connais pas mal de monde mais pas tout le monde. Souvent je les regarde en anglais et je me dis pour les gens qui parlent pas l'anglais c'est pas trop cool. Et donc je me suis dit allez on va faire des vidéos de contenu personnalisé. Alors celui-ci c'est l'exception à la règle dans cette présentation, c'est il faut avoir jungle. Donc j'ai décidé que quand en fait il y avait besoin d'une extension, j'allais mettre le logo de l'extension sur la vidéo. Donc là je vous le dis mais dans les prochaines vidéos je ne le dirai pas nécessairement, il y aura le logo quoi. Et pour finir, un truc de mode de Sims, et c'est un bikini cornet de glace. Voilà. C'est le genre de truc qui me fait kiffer, je sais pas pourquoi. Je trouve ça fun, ça va bien avec les Sims qui sont un peu pastels, et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres idées de thèmes. Ça peut être sympa en fait d'avoir vos avis, vos retours sur les choses. Si vous utilisez des maillots de bain ou bikini pour les corps féminins et qu'ils ne sont pas présentés dans cette vidéo et que vous trouvez super beau à partager avec les autres, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos. Pour retrouver les liens des maillots de bain et des sites internet, donc je vous ai mis le nom des créateurs, vous avez vu un peu les sites, mais en fait dans ma barre d'infos, il suffit de dérouler, hein, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer, t'appuies sur dérouler
il y aura le lien vers mon Pinterest dans lequel en fait j'aurai répertorié tous les contenus présentés. Sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, à mettre un pouce sur le haut, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser.